Chers amis, bonjour et bienvenue. Nous sommes avec José, derrière le bar de My Saveur TV. Comment vas-tu? Bonjour, très bien. Tu vas nous réaliser un cocktail avec ce produit, le duo café chicorée classique de Leroux. Oui. Et qu'est-ce que tu vas nous réaliser comme cocktail? Donc, le nom du cocktail s'appelle Leroux Macchiato. D'accord. Où je vais utiliser un nappage de chocolat noir, de la poudre de chocolat blanc. Attends, t'as dit chocolat au noir? Noir. Avec une poudre de chocolat blanc, avec un sirop de vanille, une dosette du duo café chicorée, et avec du lait. Parfait. Alors juste avant de commencer, José, allez, deux ou trois petits mots sur le produit. En fait, le roux associé dans une dosette souple, son authentique chicorée finement moulue, avec un café arabica subtil et fruité. Ce qui permet au final d'obtenir l'équilibre parfait entre la douceur de la chicorée et le café. Les dosettes contiennent une mesure de chicorée et trois mesures de café. Et le produit, bien entendu, du coup, est idéal pour tous les amateurs de café qui souhaitent réduire la caféine de leur pause café. Ouais. Voilà. Maintenant, assez parlé, on passe à l'action. Donc, je vais extraire mon café avec une dosette du duo café chicorée que je vais introduire directement dans la machine. Dans la machine. Voilà. Et je vais commencer l'extraction. Je vais prendre mon chocolat noir, que je vais incorporer directement sur mon verre. Tu vas enrober entièrement le verre. Exactement. Ou tu fais juste des aiguilles comme tu viens de faire. Non, juste des petits aiguilles. Ah oui, d'accord. Sur toute la paroi du verre. Tu nappes pas entièrement la paroi. Non. Ah oui. Mais si les personnes aiment, peuvent. D'accord. Et là, je vais utiliser donc le blender, où je vais incorporer tous mes ingrédients à l'intérieur avec la glace qui va se broyer. Ça va faire un cocktail un peu à l'image du granita. D'accord. Ni trop liquide, ni trop solide. D'accord. Donc, je commence à incorporer mon sirop de vanille. Voilà. Bon, après, moi je dis ça, j'ai rien, j'ai pas encore bien compris le concept là. Vous allez voir. Je vais incorporer 8 cl de lait. Donc 2 x 4. 2 x 4. Jusqu'ici, on est bon. Prendre 2 cuillères à soupe de poudre de chocolat blanc. Ah oui, ça existe ça. Oui. C'est très très bon. Bah oui. Voilà. Et là, il ne manque plus qu'à incorporer mon café à l'intérieur. Ouais. Voilà. Je viens... café et chicorée classique de l'euro. Oui, exactement. Café chicorée. Ok. Exactement. Là, je vais mettre une pelle de glaçons dans mon blender. Ouais. Et je vais en rajouter aussi 2. Voilà, pour avoir une bonne... peut-être un encore, non, c'est bon. Ok. Ouais, c'est vous le chef. Non, je rajoute un, on verra. Ah, voilà, ça va mieux. Voilà. Donc, je ne manque plus qu'à mettre le capuchon et je vais pouvoir démarrer. On commence, glic. Voilà. Dès qu'on n'entend plus les glaçons, vous voyez, c'est ni trop liquide, ni trop épais. Et là, on va incorporer le cocktail en lui-même. Ah ouais. Voilà. Mais oui, évidemment. Exactement. Voilà, et là maintenant tu me dis, mais oui, regarde, oui, le concept, bah oui. Le concept est déjà plus joli. Ça marche. Et gourmand. Oui. Mais je pensais que ça allait se détacher le chocolat, mais non en fait. Non. Avec le froid de la glace, ça se... Ah ouais, ça se fige. De suite. Et là, bien sûr, vu que c'est un cocktail qui est très gourmand, bah oui, on va finir par la chantilly. Waouh. Et par encore le nappage de chocolat noir. Voilà. Eh bien, merci José pour ce superbe cocktail. Tu vas nous redonner le nom. Oui, le Leroux Macchiato. D'accord. Réalisé donc avec ce produit, le duo café Ishikure classique de Leroux. Je rappelle les amis avant de se quitter que Leroux est expert en torréfaction et en boissons chaudes à base de chicorée depuis 1858. C'est un produit 100% régional, un produit français. Voilà. José, merci. Merci retour dans le sud de la France, au pays des cigales. Exactement. Et les amis, on se retrouve très vite pour de nouveaux cocktails. Où ça? Et bien derrière le bar de My Saveur TV. Avec qui? Avec José. Ah, oui. Oh, ciao. Santé, au revoir.